Vos enfants ont énormément d'imagination. Vous cherchez un projet créatif et différent pour les divertir. Je connais un bon truc. Créer des histoires à partir des empreintes de vos doigts. Alors, il suffit de prendre des feuilles de papier et de faire des empreintes de doigts avec de la peinture à l'eau. Alors là, Tristan, regarde, on met le doigt un peu dans l'eau comme ça. Après ça, une fois que notre doigt est mouillé, on va aller dans la peinture, comme ça, là. Et là, OK, pouf, là, tu pèses, ouais, comme ça. Alors là, Tristan, il faut laisser sécher ça avant de dessiner par-dessus. Alors maintenant, on s'amuse à créer des personnages, et ça peut être toutes sortes de personnages. Ça peut être des monstres, des animaux, des insectes. On laisse aller notre imagination. J'ai fait un espèce de piranha. J'ai comme fait une espèce de... un piranha, c'est bon. Ensuite, on leur donne des caractéristiques, comme par exemple, il aime beaucoup le sport, il fait du cirque. C'est quelqu'un un peu de... As-tu l'air un peu paresseux? Si c'est paresseux, on pourrait faire un petit Z. Alors, autour du personnage, maintenant, on peut inventer l'histoire en créant un lieu. Un monsieur paresseux dort sur la plage. Excellent! En lui faisant vivre toutes sortes de péripéties. Une énorme vague vient... L'engloutir avec un point. Après que la vague a englouti le monsieur... Ce dernier se transforme en poisson. Il s'est transformé en poisson. Super! Point d'exclamation! Alors, c'est une belle façon de stimuler leur créativité et aussi de développer leur imaginaire. Et tout bonnement, en ayant du plaisir à dessiner, ils sont en train aussi d'apprendre à écrire une histoire. Un extraterrestre lance une météorite sur la fusée.